Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo de qualité. On va pas vous montrer ce qu'il y a là, via la caméraman. Aujourd'hui les mecs, il y a la police. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, je suis essoufflé de mon marathon. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que vous m'avez demandé de refaire, que j'ai fait avec celle-là. Entraînement wheeling. Mais aujourd'hui on va changer de module, de matériel. On se trouve avec Ridju by Marius. Putain, j'ai couru 50 mètres. Je suis mort. Bref, aujourd'hui, on laisse pas le suspense. Venez sur Instagram, il y a un concours qui est en jeu. Nos Instagram en description, sa chaîne YouTube en description. 3000 likes, nouvelle vidéo, allez, ça part. Aujourd'hui, le module d'apprentissage. Stunt MBK 2019. 13. 13, on était pas loin. Full origine, le moteur, il est origine. Non, il y a un kit, non? Bah, il y a un 50 Karenzi, mais c'est un origine. 50 Karenzi, voilà, on peut voir. Gros moteur, gros kick. Sympa, voilà. Kick de compète. Grosse selle pour les wheeling, c'est bien. Alors dites-moi les mecs dans les commentaires, c'est quoi le meilleur scooter pour lever? Je pense que c'est celui-là, ou c'est soit le booster. Bah, je pense c'est... Pour moi ça va être lui, je pense. En vrai de vrai, il est encore plus léger qu'un Spirit. Il est plus léger et en fait, il y a un plus gros marchepied. Et l'arrière, tu peux vraiment te propulser en arrière. Genre là, si je me propulse fort, je vais finir dans les pâquerettes. Les freins, ils fonctionnent, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire des bons petits wheeling. Cool les mecs, Marius, il va nous faire une démonstration de comment lever. Il va me... Rally Sport. C'est quoi comme voiture ça? Marius, il va nous montrer comment on lève ça et après moi je vais lever ça, il n'y a aucun souci. Tu vas nous faire des bavettes? Je vais faire des bavettes, je vais essayer les mecs. Pas mal, elle a déjà été frottée la bavette. Donc, dites-moi les mecs dans les commentaires en combien de temps c'est possible d'apprendre ça. Est-ce que genre en une heure c'est possible de maîtriser ou un truc comme ça? Parce que voilà, en vrai c'est super simple. À ce qui paraît, hein, vous savez lever en combien de temps vous avez appris pour lever? Wow. Si tu pars, je vais vous montrer, ça démarre au quart. Tu freines, t'appuies, hop. Petit coup de gaz. Hey, je t'ai déjà dit qu'il fallait t'abonner mon copain parce qu'on est bientôt 100 000 abonnés, ça partait. Attends, regardez les mecs, ça c'est trop chiant. C'est t'arrives, t'es là, tu veux te poser, y'a pas de béquille mon rôle. Comme as. Avec toi qui galère. Non, avec toi qui galère. T'as faut en avoir des muscles. Eh, hey, RC Lens, 2-2 à Saint-Etienne hier. À Lens. Les mecs, donc voilà, la moumou, le petit MBK. Franchement, il est sympa, Marius. Avant de faire un test, combien ça coûte un peu à peu près un petit MBK comme ça là? Pour celui, demain il va apprendre à faire des wheelings. Avouez-le que c'est simple déjà d'en faire avec ça. Ouais. C'est super simple. Combien ça pourrait coûter ça? Mais est-ce que d'origine ça se lève? Ouais. T'as pas besoin d'un kit. Et combien ça coûterait à peu près? D'occasion, ouais. Ouais, d'occasion. En vrai, un bon propre, c'est au moins, je pense, c'est aux alentours de 2000 quoi. Qu'à coûter, il revient nous frapper. Merde. 2000 euros? Ouais, je pense que c'est 2000 balles. Ouais. En vrai, c'est parce que c'est des scooters qui cotent. Ouais, mais c'est des scooters qui cotent. C'est plus produit aussi, c'est pour ça. C'est plus produit et en origine, c'est compliqué à trouver. Ouais, ça, si vous cassez les carénages, je vous jure, vous avez pas envie de les repayer. Ah, c'est tous les carénages chez Yamaha, c'est un peu cher. On a à peu près sur 200 euros, je pense, en globalité. Oui, là, par exemple, le mec d'avant, il s'est retourné avec. Ouais, c'est pas moi, hein. Moi j'ai pas cassé. Hein. Il y a le coffre qui est cassé là, mais du coup, par exemple, le coffre, tu dois changer la pièce entière et c'est 70 euros. Ouais, 70 euros, ça fait un peu chier. Bref, là Marius, il va nous coacher. Regardez, allez vous abonner sur Instagram, il va nous coacher. Là, je le tiens par la muselière là. Ta GoPro est chargée. Et il va nous coacher pour faire des wheeling. Et est-ce que tu penses qu'en une vidéo, c'est possible que j'apprenne à faire des wheeling? Faire une bavette, faire une vidéo. Non, à juste réussir à lever. En vrai, tu vas réussir à lever, mais pas, tu vas juste faire ça. Genre. Et en vrai, les avantages de celui-là, c'est parce que t'es grand. Et ouais, que celui-là, vas-y, assis-toi, juste assis-toi pour nous montrer. Tu fais 1m85. Les bras levés. Genre en mode. Moi, je suis pas. En vrai, ouais, ça passe. Assis, vois, que sur un booster, t'es mal assis. Je suis trop mal, genre, je suis comme ça. Ouais. Vas-y, Marius, envoie-nous la pâtée. Donc là, les mecs, n'hésitez pas à me coacher dans les commentaires. Vous me coachez, vous me donnez plein de conseils. Là, dans une semaine, je dois réussir à faire bavette. Il me reste une semaine avant la rentrée. Oh, les mecs, faut pas parler de ça. Hein. C'est dépressif, hein. Est-ce que ça va être dans la vidéo, ça? Regardez. Les jeunes délinquants en scooter. Alors lui, il faut savoir que ça fait pas super longtemps qu'il y a le scooter, genre ça doit faire, allez, à tout péter, je pense que ça fait moins de 3 mois en vrai qu'il a le scooter. Donc en vrai, c'est pour vous dire à quel point on apprend vite. Eh, hey, il a voulu nous faire une petite bavette le cochon. Pétard. T'es pas droite. Eh hey, Maurice, t'as failli nous faire une petite bavette, dis donc. Non. Coupe-nous le bazar. En vrai, c'est juste parce qu'il faut que je change mon tambour arrière, parce qu'il s'affreine, mais pas... C'est ce que j'étais en train de dire aux gens, ça fait pas longtemps que tu l'as le scooter. Un mois. Un mois, ouais, moi j'ai dit 3 mois.
2 mois peut-être. Ouais, et en vrai t'as vite... Je suis parti un mois en vacances hein. Oui, mais t'as vite réussi à lever, genre c'était pas genre... Toi, regarde, j'ai des vidéos le soir même, j'étais en train de lever. Voilà, le soir même les mecs, vous pouvez apprendre à cabrer. Là vous vous calez une petite GoPro et quand vous levez vous filmez, ça va être trop stylé. Donc bref, Marius, maintenant on va procéder à l'étape du wheeling et des conseils. Et il va m'apprendre à faire des wheelings. Donc maintenant tu vas me coacher, la partie coachage commence, c'est parti les mecs. Ok. Dès le début, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès le début, déjà tu vas te poser sur le scooter. Vas-y, vas-y, tiens. Sur le scooter. Enlève la béquille. Tu vas être à basse vitesse du coup? Basse vitesse. Doucement? Doucement. Tu vas sentir le scooter à un moment, il va accélérer à fond. Genre ouais. Qu'il va partir. Et au moment où il part, ouais. Tire un peu sur ton, ouais, guidon et tu mets ton cul en arrière. Voilà, comme ça. Attendez, je vais vous refaire les mecs, regardez bien. Le frein arrière c'est quel? Avant, lui c'est avant, lui c'est arrière. Voilà. Et sur l'arrière tu mets toujours? Deux doigts. Comme dans une bonne femme. Ça va être galère hein. Et si je sens que je vais me retourner, j'attrape le frein à 4 doigts. Ouais. Et même, de toute façon, pour se retourner, il faut vraiment aller loin. Ok, donc je vais essayer. Bon, avant, on va mettre le cax et ça part. De sécurité. Là, je vais jamais acheter un scooter. Marie, si vous filmez les graviers, j'espère que vous aimez bien. C'est un reportage naturel découvert. Donc ça, c'est un pot tard les anciens, les mecs. T'aimes bien filmer les graviers. Marius, les mecs, il est là, il nous filme la vidéo. Alors, les mecs, ça, c'est un beau petit... Bon, les mecs, regardez. Il marche, mais j'ai un problème. En gros, quand je roule, là, il y a 50 000 km. Mais quand je roule, genre, dis-toi, hier quand j'arrivais, j'étais à 32 000. Ouais, bizarre un peu, t'as et fait... Et je passe les 100 000 et je retourne à zéro. Ah ouais, t'as fait 28 000 km. Bah ouais, mec. Vous en pensez quoi, les mecs? Il est propre ou pas? Mais normalement, là, les pattes sur les côtés sont blancs. C'est juste que quand je l'ai acheté, ils étaient dégueulasses. Du coup, on les a pas en noir en attendant. À midi, tout le monde y vient. Ils vont manger des groseilles. Regardez le kit 70. Je vous montre pas le kit 70. Hein. Oh putain, faut pas montrer. Bon, là, les mecs, j'ai le cax. Est-ce que les secondes, elles défilent? Comment démarre ça la cité? Bon, les mecs, il va mourir dans 2 secondes. Nope. Ouah, mam, regardez en vrai les mecs, c'est stylé hein. Bon, coup de cul, oh pétard, coup de cul accélération. Et on devrait pas mourir. Ça devrait aller. En vrai, c'est quand il part comme ça, il m'a dit. En vrai, ouais. Ça va, Jésus-Christ. En vrai, je pense qu'il faut connaître à un moment où le scooter il a toute sa puissance. À partir du moment où tu connais ce moment, ça va être incroyable. Parce que regardez, il faut le temps qu'il charge et tout. Regardez, regardez. Nope. Avec le petit rétro fou, frérot. Mais en vrai, je pense qu'il y en a, ils apprennent super rapidement le vex. Hein. En vrai, je pense que ça se joue à vraiment à comment connaître son scooter. Mais il est mort ou quoi, Léo? Là, il arrive. Regarde cet angle de braquage. Hey, hey. Oh, il fait peur. Les mecs, si vous voulez un entraînement wheeling que je vous sors un par mois mon évolution, genre plusieurs épisodes, vous mettez des pouces bleus en vrai. On a besoin des conseils du chef. Déjà, va moins vite. Va moins vite, ouais, mais c'est le temps qui charge. Ouais, non, mais en gros, là, si tu t'arrêtes... Ouais. Mais si tu continues à rouler, tu tournes, tu fais demi-tour et tu repars, et ben il va galérer. Ok. Il faut encore régler, du coup là il faut que. Si t'arrives là-bas, tu t'arrêtes. Ouais. Et tu repars. Je m'arrête et je repars. Ouais. En vrai ça va, hein, c'est pas dégueu. Alors là il va nous montrer le tuto. Non mais lui c'est un professionnel aussi. Je sais pas, il voulait m'écraser. C'est un hater. Attends, derrière, regarde, regarde. Là tu pars à l'arrêt. Ouais. Ok, bah je vais faire ça, je vais partir à l'arrêt les mecs. Ok, là je dois avoir une tête avec le casque. Je pars à l'arrêt, je mets un coup de pied, normalement ça devrait partir. On espère que ça va fonctionner. Arrête-toi! Oh là, j'ai réussi. Là, il y avait un truc plutôt propre. Oh!
ça avance partiellement. Les mecs, je pense qu'on va faire un deuxième épisode sur ma chaîne et la présentation du stun sur ma chaîne aussi, les mecs. Du coup, si vous êtes chaud, max de pouces bleus, on fait ça. Mais non, mais j'arrive pas, c'est trop chaud. Par contre, c'est maniable de fou, hein. Froid. En vrai, vous apprenez en combien de temps, les mecs, à faire ça? Moi, je suis sûr, il y en a, là, ils doivent se dire non, mais ils galèrent. Mets ton cul, joue avec ton cul en arrière. Là, je le sentais. On va réessayer. Faut persévérer, mes amis. Bon, les mecs, je pense qu'on vous fera ça dans un autre épisode. C'est vraiment une mini-évolution. En plus, la route est même pas droite. C'est pas de ma faute, c'est la faute de la route. Allez, dernière petit essai. On va essayer de s'y mettre à fond, là. En gros, les mecs, ils se lèvent dessus. Il faut pas, en gros, il faut qu'ils glissent son cul à l'arrière. Vas-y, attends, je vais revenir pour vous arrêter. Mon copain, allez! Bon, allez, c'est la fin tu de la vidéo. Tu l'as eu celui-là, j'espère. Ouais. Enfin, j'espère. Là, il y a eu un truc là. Ouais. Dernier wheeling, il y a eu un truc. La partie 2 avait été. Là, il y a eu un truc à la fin. J'ai cru que j'allais me retourner là. Bah, avec direct, mon pote. Ah ouais, t'avais pas le doigt sur le frein. Non, j'arrive pas. Les doigts, je les ai autre part que dans le frein. Bref, les mecs, c'était déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce premier petit épisode. Il y a eu 2-3 wheeling qui sont passés sur tout. En fait, je pense qu'il faut vraiment saquer. J'ai peur de saquer à l'arrêt. Non, en fait. Ouais, faut jouer. Et puis, en fait, ce qui est relou, faut bien savoir quand il est dans les tours. Je pense que c'est. Dès qu'il sera réglé. Ouais, dès qu'il sera réglé, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, faut vraiment jouer à quand il est dans les tours. Pour ceux qui arrivent à lever, dites-moi, vous êtes dans quel config et dans combien de temps vous avez réussi à lever. Bref, sur ce, les mecs, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour le concours, dans les commentaires pour les conseils. Et mettez 5000 pouces bleus et on se fait la part 2. Et pourquoi pas essayer avec d'autres véhicules. Du coup, si vous avez d'autres véhicules que vous voudriez que je teste de lever avec mon médiocre niveau, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, c'était Léo et Marius. Les mecs, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. 5000 pouces bleus, nouvelle vidéo, deuxième épisode, t'as compris. C'était Léo, ciao. Ciao.